longtemps vous là-bas? Je suis là-bas, ça fait 8 ans et quelques. C'était calme, tranquille, sans problème, on travaillait, il y avait pas de soucis. C'est l'Europe, c'est l'OTAN, c'est l'Europe qui est venue nous foutre la merde, c'est tout. Hein. On était sans soucis. Hein. Moi, j'ai jamais eu de problème, je travaillais et puis j'étais tranquille. Moi et ma famille. Une femme avec deux enfants. Ça se passait très bien, merveille. Une fois que bombardé de gauche à droite, n'importe où, et c'est ce qui nous fait peur, et puis c'est tout. Hein. C'est n'importe quoi. Bien sûr, il y a des civils qui ont été tués là. Qu'on soit un peu sérieux quand même. Ils nous interdisent d'aller en Europe. Nous ne sommes pas partis en Europe, on est en Afrique ici. Donc ils nous foutent la paix, c'est tout ce qu'on leur demande. Que ce soit Sarkozy, Barack Obama ou David Cameron, on s'en fiche d'eux, qu'ils nous laissent tranquilles. Moi, j'ai jamais cherché à aller en Europe ou en Amérique. Tout ce que je veux, c'est la tranquillité, ma dignité, mon honneur, ma fierté. C'est de travailler, avoir mon gain au sueur de mon front, un point, un trait. Je ne demande pas plus. Et c'est maintenant qu'eux, ils sont venus mettre le tout à zéro. Ils ont mis le pays à genoux. Que ça soit clair, hein? Ils ont mis le pays à genoux. La population, comment est-ce qu'ils peuvent faire? Ils sont dans l'impatience et dans la crainte. Ils ont tout le temps peur. Ils ne peuvent même pas savoir ce qu'ils doivent faire. Très sérieusement, soyons un peu sérieux. Ces gens, ils nous ont foutu de la merde, c'est tout. Je vous le jure. أنا إلي 21 سنة في ليبيا. 21 سنة في ليبيا. أموركم كويسة لا بأس. في ليبيا الحمد لله أولادنا يشتغلوا هناك كويسين، ثلاثة كانوا يشتغلوا أولادنا وكنا قاعدين متهنيين ومرتاحين، بس المشكلة هذه اللي صارت، يعني أنا عندي صغار خفت على صغار وخفت على أولادي. لا فيش حد طردنا. أنا مجرد خوف. خفنا بس إحنا على صغارنا وما فيش شغل، ما فيش عمل، وأنتم عارفين كل الناس طلعت من ليبيا. اثنين مسلمين يقتلوا بعض. على ايه؟ ايه السبب؟ في مشكلة. احنا دلوقتي كمصريين استنى بس، احنا دلوقتي كمصريين او كعرب عايزين نعرف اما اخويا المسلم يمسك سلاح في وشي ليه؟ من خيرك تتكلم دول مش دول مسلم وده مسلم انت مصري. طيب ايه المشكلة بقى هنا؟ ان دول يمسك عشان خاطر ايه؟ عشان خاطر السلطة ولا عشان خاطر البترول ولا عشان خاطر ايه؟ ما تفهمونا الحياة فين؟ احنا كناس عايزين نعرف الحياة فين اصلا.